Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette Actual Play tout à fait, ouais, Let's Play de Space Marine 2. Le jeu m'a été délicatement offert par Games Planet. Vous pouvez retrouver Games Planet, enfin Space Marine 2 sur Games Planet. Avec le code GLOBTOPUS, vous avez moins 15% de réduction sur toutes les éditions. Et je rappelle que sur Games Planet, vous l'aurez une heure plus tôt que n'importe qui dans le monde. Et oui, vous pourrez quand même y jouer. Donc, profitez-en. Hop là! Donc, je précise que je n'ai pas joué au jeu. J'ai juste fait voilà, 5 premières minutes du début, histoire de voir si ça tournait. Ça tournait. C'est ça le plus important. On est prêt, hein? On démarre une nouvelle partie. Donc, déjà, un des trucs que j'adore, c'est quand vous lancez le jeu, il vous propose immédiatement tous les trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en mode bam bam bam, tiens, on va tout de suite te donner les éléments pour que tu règles ton jeu. Ça, je trouve ça extrêmement cool. Donc, on va mettre le casque tout le temps pour les persos principaux parce que c'est trop cool. Langue du texte, bah, français parce qu'on est français. Doublage anglais, on met les sous-titres, on les met bien en gros, comme ça vous pourrez les lire même si vous avez des petits problèmes de lecture. Full mouvement désactivé, c'est bon, on n'est pas là pour... voilà. Ensuite, le son. On va monter un peu, je pourrais le baisser s'il y a besoin. Communication vocale, non. Et enfin, accessibilité, tout va bien, vous inquiétez pas. On va jouer au clavier souris, on va voir si c'est faisable. Je ne sais pas si ça... On verra. Alors, facile, normal, vétéran, ange de la mort. Écoutez, on va se mettre en normal. Hein. Merci, Martin. C'est pas live ! C'est un putain de braquage. Okay. Gloire à l'empereur de l'humanité. Au 41e millénaire, l'humanité se trouve au bord de l'extinction. L'impérium de l'humanité s'étendant à l'échelle de la galaxie est assailli de tous côtés par des aliens hostiles et menacés de l'intérieur par des traîtres et des hérétiques. C'est un état de guerre constant, une nouvelle ère sombre où la superstition, la rhétorique et la prière aveugle se sont substituées à la spiritualité. Vivre à cette époque, c'est être seul parmi une multitude d'anonymes sous le régime le plus cruel et sanglant imaginable. Au rang des défenseurs de l'Impérium les plus puissants et redoutés figurent les Space Marines, des guerriers surhumains augmentés génétiquement. Ils représentent le dernier... Nique ta mère. Pourquoi il coupe? À l'horizon des funestes ténèbres, seule la guerre se profile. Bon Dieu. Callis. Kadaku. Tatooine. Oh non, on est encore dans Tatooine, c'est encore Star Wars. Ces petits poulpes. Putain, mais c'est l'intro de Baldur's Gate 3 en fait. On s'est trompé de jeu. C'est des nautiloïdes. Du coup, c'est, je comprends pas, c'est un crossover avec... Je vais te spoiler de BG3, mais j'avoue. Ah. You got mail. Putain, le MSN, on s'en rappelle, ça. Incroyable. Peut-être qu'il y a des culs. Ouais, c'est menacé, quoi. Ok, ouais. Des petites des petites croix qui me rappellent... qui me rappellent les choses. Des xénos, des tyrannides, ok. Ok, non. Comme dans StarCraft. Proxy, t'es la vie. Ah, c'est tout préparatif de mon bombardement. Projet Aurora. Présent. Qui c'est Aurora? On veut savoir. Valeur stratégique d'Aurora. C'est la chanteuse absolue. Ah oui. Appel à toutes les forces voisines. Ok. Envoyer message cryptade. Ah,
envoyé au relais astropathique. Loué soit l'Omni-Messi. Loué soit le dieu machine. Ok, la Death Watch, quoi. Et c'est du monster. C'était du monster, ça avait le couleur verte du monster, les gens. C'est garanti. Ça compte pas pour un hélicoptère, les gens. Putain, mais il pète la classe, ça me saoule. Oh, trop bien. Ah là là, les effets tronçonneuses, c'est quand même sexy. Hein. Ah ouais, ça a l'air d'être... Ils volent ? Ah ouais, c'est chaud. Putain... Ah, ils se font attaquer de tous les côtés, quoi. Ils se font démonter. Putain, c'est peut-être moi, ça, hein. Moi je dis c'est nous, ça. C'est nous, je pense, les gens. Trop bien. C'est pas eux que tu vas jouer. On parie ? Oh ! C'est nous ! Putain, on dirait War dans Dishonored. Dans. Pas Dishonored, dans. Dans. Putain de. Merde, comment ça s'appelle ? Oh ! Ah, c'est pas moche, hein. Kill team leader to squad. Box check. Ok. Repeat. Kill team leader to squad. Confirm Vox contact. Darksiders, merci beaucoup. Parasite à Parasite. Nous sommes écrasés à Parasite. Ok, d'accord. Do you have the virus bomb? La bombe virale. Damn it. Oh, ils vont mettre le Covid sur ces pauvres petits Xenos. Alors, c'est pas le plus beau jeu que j'ai vu de l'année. D'accord. Mais franchement, il y a une DA, je sais pas comment vous dire, c'est très agréable à regarder. Je sais pas si vous avez le même rendu sur le live. Hein. Lost contact with brother. Ah. Approaching orbital launcher facility. Putain, mon personnage s'appelle Maxime Robinet, c'est marqué. Hellstross, Alpha, I'm moving to the crash site. Do you read? Any sign of the commander? Oh. Negative. No contact since the crash. I'm here, damn it. Eh mais vous êtes dans la merde. What are your orders? C'est la merde, ça. Moi j'y vais. Hein. C'est sympa votre truc, mais c'est la merde. La bombe virale, la faire exploser, regarder mourir les tyrannides. Mais je crois qu'ils veulent pas ça. Hein. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois qu'ils vont dire non. Je joue un Black Shield. Les gens, vous savez carrément mieux que moi, mais. Mais rien que là, mais je suis total. J'allais dire exactement ça, Grand Gag. Rien que là, cette image-là que vous avez sous les yeux, c'est plus beau que tout le premier jeu. Il y a une vraie DA, quoi. Regardez-moi ça. Oh, l'écriture et tout. Non, franchement, le jeu est très joli. Alors, d'un point de vue technique, franchement, il est pas tout en haut de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Mais d'un point de vue DA, on est là, quoi. Putain, mais trop envie de s'installer ici, là. Allez, on va... Regardez la chaise, quand même. Toute petite par rapport à moi. Putain. Hormagons. The area will be crawling with them. Hormagons. D'accord. Pokémon, quoi. Salut. Oh, le bruit de la tronçonneuse. Alors, je pense qu'on va faire une modification. Attendez, deux secondes. C'est que j'ai mis les sons pour mes enceintes. Voilà. Ça sera mieux comme ça, je pense. Survie, blindage. Les dégâts réduisent votre blindage. D'accord, les petits trucs en dessous. Ok, plutôt clair. La santé perdue récemment peut être récupérée en infligeant des dégâts. Ah, elle a Bloodborne. Très intéressant. Ok, la ligne blanche montre. Ok, d'accord. Ouais, le son, c'est mieux. Je sais pas si vous l'entendez, vous, pour le live, mais... Non, mais c'est vraiment joli, en tout cas. Hein. Ah, on peut sprinter. Ça...
Regardez la cape aussi. Ouais, ben, je crois que... Combinaison d'épée tronçonneuse. Attaque lourde. Maintenez clic droit pour terminer une combinaison d'épée tronçonneuse par une attaque lourde. Plus la combinaison est longue, plus l'attaque lourde sera puissante. Ok. Utilisez l'attaque lourde contre un important groupe d'ennemis. Ok. Ok, d'accord. Maintenez pour penser. Ah ouais, vous avez vu, c'est vraiment différent. Ok, d'accord. Salut! Merde, c'est cool en vrai. Visuellement, c'est top. Hein. On se rend pas compte à quel point c'est dur de trouver une chose quand on a un Space Marine. Mais vraiment, ouais. Alors, parade. Appuyez sur C pour parer les attaques normales. Les attaques avec un indicateur bleu peut être parées. Ok. Les attaques parfaitement exécutées. Les parades, pardon, parfaitement exécutées tuent instantanément les ennemis de petite taille et font chanceler les ennemis plus grands. Ok, d'accord. Oh oui! Oh le plaisir! Merde, j'aurais pu. Ah, je suis deg, je l'ai pas. Des quoi? Des sports? C'est ça qu'il a dit? Sports! Ah oh, putain, les combats sont cool. Hein. Je fais un peu n'importe quoi, mais c'est juste un plaisir à regarder. Honnêtement. Les combats sont cool, ils sont lourds, ils sont vraiment agréables. Mais j'ai. Ah, mais j'ai réalisé une parade, pourquoi il me dit que j'ai pas fait ça? C'était pas une parade que j'ai fait? What? Ah, j'ai récupéré ma vie, ok. T'es attention. Oh, c'est un poids lourd ça? Oh, space pour esquiver les attaques avec un indicateur rouge, d'accord. X pour verrouiller la caméra. Vas-y, je vais verrouiller la caméra. Merde, j'ai... Non, école, non! Ok. Attendez, j'essaie de m'habituer au gameplay, mais c'est pas ça. Mais putain, je me suis trompé de touche deux fois. Attendez, je vais me laisser mourir parce que là, je viens de faire n'importe quoi. Ah ouais, mais non, en fait, d'accord, ok, ça. J'essayais de faire les attaques, mais j'ai fait n'importe quoi. Je vais l'exécuter, oui! Ok. Je suis un peu familier avec l'univers. Ouais! Un peu. Lorsqu'un ennemi est neutralisé, appuie sur E pour porter un coup de grâce pour récupérer du blindage. D'accord. Bon, j'ai fait n'importe quoi, je vais crever là. J'ai plus du tout de vie. On peut pas, y'a pas des. Je suis désolé, hein, j'explore. Hein. Oh, putain, y'a le X-Wing de Luke. Incroyable. C'est fou, hein. Non, je connais un peu l'univers, oui. Mais pas tant. Il va tout casser. Alors non, je n'achète pas de figurines. Mais j'en ai derrière moi. Des figurines Joy Toy. Mais je ne pratique pas les figurines. Mais le jeu de rôle, oui. Dark Heresy, tout ça. Warhammer Fantasy, tout ça. Hein. Mais du coup, je vais mourir comme un caca, là. J'ai plus de vie. Bon, je peux courir. Hein. C'est vrai que je marche depuis tout à l'heure. Mais... Ah! Mes camarades! Brother. Brother. I will repay them tenfold. Ouh. This bolter will roar in your name, Dallas. I swear on it. Come for me. Quel plaisir. Ok. Ah mais j'ai récupéré toute ma vie. Bon. On dirait des ergues, on va bien. Glandeur solidaire. Vaut mieux pas parler. C'est pour dire... C'est comme si tu venais dans le chat
et que tu disais putain, la copie, franchement, la copie de chip, elle est vraiment mieux que le produit original. Non, non, la copie de chip de StarCraft pue la merde. Ouh, il y a un petit bug vidéo. Alors, je rappelle que je suis pas dans la version finale. Vous, quand vous l'achèterez, vous aurez la version définitive. Pas moi. Moi, là, j'ai la version avant la sortie, vous doutez. Comment tu parles mal de StarCraft? Mais StarCraft, c'est une copie. C'est une copie de Warhammer 40K, comme Warcraft est une copie de Warhammer Fantasy. C'est tout, c'est pas grave. StarCraft, bon gameplay, mauvaise DA, tout à fait. Ah là là, quel plaisir! Wow, tir réflexe. Maintenez 1 pour repousser des ennemis de petite taille et les marquer afin d'effectuer un tir réflexe. Attends. Ok. Appuie sur 1 pour réaliser un tir réflexe sur un ennemi marqué. Tir réflexe tue instantanément les ennemis de petite taille et inflige des dégâts importants aux ennemis. D'accord. Ok. Ah oui, t'as un petit réflexe, d'accord. Tellement plaisant. En vrai, c'est vraiment très cool. Hein. Très très cool. Bon, du coup, j'ai pas suivi le tuto, désolé. Non mais StarCraft c'est sympa, mais visuellement c'est vraiment en dessous de Warhammer. Ça se sent que c'est clairement pompé. C'est pas grave, mais ça se sent. Ok. Oh putain. Je pense que c'est peut-être mieux à la manette hein, quand même. Je sais pas. Là pour l'instant ça se contrôle bien. Franchement j'ai pas de problème mais j'ai peur que ça soit un peu brouillon par la suite. Je sais pas. Ah on peut zoomer en plus. Ok. Ouais je sais pas par quoi ils ont été inspirés. On sent qu'il n'y a aucune autre inspiration. Putain, mais regardez la gueule de l'échelle à côté de moi. Par StarCraft, c'est sûr. L'autre belge, j'ai mis ultra dur. Je suis en ultra dur. Full gamer. Bien sûr. Attendez, j'ai l'impression que le jeu, je pourrais mettre configuration auto. Ah oui, on peut se mettre en ça. Voilà. Et je pense qu'il faut... je pense que je peux remonter le son. Voilà. Kill team, I am at the crash site. Voilà. On est mieux là. Ah oui. Récupérer la bombe virale. Mais c'est Aurora. Je crois pas, j'ai pas su. Est-ce qu'on peut couper ça? Oui. Salut! Ah merde. Mec, t'es sûr de ta technique là? Baron, my brother. J'ai cru qu'il était Baron. The Imperium with your devotion. Ah, il est dead lui. Jean-Mi a pas l'air bien. Hein. Ouais, le son, on est d'accord que c'est mieux. C'est parce que j'avais mon truc, c'était pas idéal. Désolé. On est plus dedans là. Oh fatch. Putain, la sainte monster. Buvez, mes frères! Alpha,
Hellstross, if you can hear me, I have the virus bomb. Headed to the orbital launcher. Is that as hard as you bite, Xenos? Come on! Faut que je mange ça? Ah, c'est... C'est des sortes de testicules. Oh putain, il résiste au coup. J'aurais dû éviter. J'ai entendu des bruits, mais j'ai rien vu. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais j'avais appuyé. J'ai dû chier dans la colle. Ouais, je chie dans la colle, mais... Les enchaînements. Mais en tout cas, c'est très sympa. Bender Benichou, je pense que c'est le... C'est l'intro, tu sais. Visage de garde. Je fais n'importe quoi les gens. Les combats sont cool. Pas facile, mais cool. Par contre, j'ai l'impression de vraiment plus avoir de munitions du tout et pas en avoir utilisé tant que ça. Je pense qu'il y a des... J'ai raté des... J'ai dû rater des packs de munitions, je sais pas. Oula, il fait chaud chez vous. Fait chaud chez vous, hein. Ah, ben voilà, des bottes de munitions. Oh, il y a des petites bougeailles, mais c'est pour ça que vous avez un feu. Oh, les... Mais il y avait des bougeailles. Oh, elles sont tombées, je les ai... Putain. Je vais me faire engueuler par l'empereur. Tornade de rat. You have served your emperor well, brother. C'était une tornade de rat. On est d'accord. C'est un fusil bolter. Record log. To any Imperial unit that recovers this log, my kill team crash landed off course. My brothers are all dead. Slain by Tyranids. I have the virus bomb. Moving to the orbital launcher. We'll fire into stratosphere where it will disperse over Tyranid positions. Non, des petites bestioles tyranides qui bouffent tout. Ah, des rats, quoi. Vous entendez le bruit que ça fait ? Oh putain, patch code.
Putain, les grosses dindes m'attaquent. Vite! Ah, mais on peut rester appuyé en fait. D'accord, ok. What? Oh, pardon. Pardon, monsieur. Bon, pour l'instant, l'ambiance est incroyable. Pas utiliser ça comme arme. Oh. Sale bête. Continue là. The virus is our one chance to delay the Tyranid invasion. The virus will spread through their forces. They will adapt, but it will slow them down. The virus must be launched into the stratosphere. Nothing else matters. Le fait que tu te dis l'ennemi est tellement adaptatif, enfin ils vont s'adapter au virus, mais au moins ça les ralentira un petit peu quoi. Moi je dis un super bonus ici, vous allez voir, vous allez être deg. Ah d'accord, c'est pour ça que mes attaques étaient moins bien. Je me disais c'est bizarre mes attaques. Ah mais non, elles sont pareilles. Bah je sais pas. Hein. Attendez, là il va y avoir un super bonus. Il y a pas de super bonus. Bon, en tout cas visuellement, je trouve qu'on est à des kilomètres du premier. Je vous le disais, ça manquait d'envergure dans le premier. Là c'est vraiment très cool, il se passe plein de trucs. Après c'est le début hein. Qu'ils avaient, c'est parce qu'ils étaient liés à la créature que j'ai buté. Vu l'état de la planète, autant aller à Exterminatus. Bah, c'est un peu ce qu'il veut faire, non? Je sais pas. C'est vrai que ça a l'air d'aller moyen, quoi, sur la planète. Ah oui, c'est plus simple, ça. Je sais pas pourquoi j'oublie qu'il y a ça. Ah. Your tardiness has been flagged for invigilation. Open the gates! Shift chronometer reset. You are registered as on duty. Carry out the officer's work according to the divine synchronicity. Les armes ont un vrai good feeling. Genre vraiment, il y a le côté genre blam 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 blam. Les deux armes, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit une moins forte que l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment ultra agréable. Putain, mais regardez quoi, le décor, il est trop beau. Franchement, je vous rappelle encore une fois qu'il est en promo sur Games Planet avec le code Globtopus. Merci Loup Solitaire. Et on est d'accord pour l'empereur. Inserting payload. Et je vous rappelle qu'il est coop aussi. Et qu'il y a du PVP et du PVE dans le mode coop. Et ça, ça m'intéresse moi. Sur Globtopus, sur Games Planet, vous l'aurez en avance.
une heure par rapport à la sortie mondiale. Transmitting override authorization. Set course for stratospheric detonation. The rite of safeguard must be performed. Seek an authorized Magos at the command. Ah, j'adore ça, les rites et tout ça, je trouve ça trop drôle. Il y a vraiment ce côté genre, les mecs en fait c'est juste c'est juste comment ça s'appelle? Lancer une mise à jour, mais... On the observation platform above, the Magos on duty does not respond. Le mec il reste tout seul en mode en fait t'as tué tous mes potes là basiquement, donc comment dire que, enfin c'est ouais, non mais on va trouver un terrain d'entente, je pense qu'on peut discuter un peu peut-être, voir trouver une solution ensemble. Alors Ours Bronze, moi on est en difficulté normale, je trouve que on est parfait, j'ai l'impression d'avoir un peu fait de la merde des fois mais que ça m'a pas ultra puni, après on est au début. Donc je pense que si vous cherchez un truc un petit peu plus difficile, il suffira de mettre une difficulté un peu plus haute. Mais je retrouve le sentiment qu'il y a dans Gears. Oh, le ciel. Console inactive for 22 hours. This impiety to the omnicide has been locked. C'est beau. Activate launch systems. The rite of initialization must be performed. Seek an authorized Magos at the command console. Command console is posted at the edge of the observation platform. A Magos will attend to you shortly. Doubtful. Il y a des trucs qui explosent là. C'est tout ce que ça va partir en couille à partir du moment où j'arrive ici, hein. Attends, quoi? Mais je peux pas me battre contre tout ça, il y a trop de gugus là. Mais genre ils vont... Non mais ils vont pas arriver là. Ah non, oh putain. Oh putain. Mais oui, les grenades, putain, je suis con. Oh fuck. Ça, je fais de la merde. Mais j'avoue, c'est quoi cette torture finale? Excusez-moi messieurs, désolé, je reviens.
Merci, Bravan. C'est comme ça que ça se passe, les IA, le groupe de plus, exactement. Le Space Mountain! It is done. T'as un bruit de prout, ça aurait été parfait, là, genre. Quel badass. Il y a des drop twitch, ah bah profitez-en. C'est vrai qu'en plus il pleut dans les IRN. Putain, mais c'était Jean-Michel Picus ? C'est lui ? Mais en fait, depuis le... Attends, ils vont pas faire jouer là maintenant, tout de suite ? Mais putain de ta mère ! Ouais, alors là, j'en mis... comme l'impression que tu t'emportes, en fait. J'ai essayé de le Dark Soulsiser. Incroyable. En vrai, les combats sont vraiment trop, trop plaisants. Ah putain. Les tirs tactiques là comme ça sont vraiment trop cool. C'est un coup pas trop pas putain. Oh ses yeux là, ça lui pas du bon déjà. Ça picote.
grosses dents, putain. Il a une couille mentonite. Il a une couille mentonite. Tape dedans. Tape dans les couilles, Titus. Titus. Ah, ça, ça picote aussi, apparemment. J'ai pris la moitié des balles dans la gueule, mais ok. Putain. J'avoue que sans le casque, il crève du virus. C'est con. Pourquoi il a retiré son casque ? Je ne crois pas à toutes ces conneries. C'est des conneries tout ça. Le Covid n'existe pas. Jean-Michel Titus. Space Marine ressemble à Kenneth Copeland. Non. Pendant ce temps-là, dans l'espace, orbite de Kadaku. Jour 4, 4h22 et 56 secondes. Les secondes ne passent pas dans cet univers, elles sont précises. J'ai fait un rêve dans lequel le Covid nous tuait. Skeletor, putain, incroyable. Praise the Emperor. Putain, on voit pas l'énorme sexe de... Ben non, ils en ont pas, je crois. The wound was fatal. Ah. You survived only through the Rubicon surgery. We remade you. You are a Primaris now. Why? Lord Khalgar issued the command himself. Is he here? Gone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus. Accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century. C'est vrai que ça fait 10 ans que le jeu est sorti. Once have you faltered, but you will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Prove yourself to us and know true absolution. Que de foire, incroyable! What is your life? My honor is my life. What is your fate? My honor is my destiny of my life. Putain. What is your fear? My fear is to fail. Reason, heresy, death. Okay. What is your reward? My salvation is my reward. On devient un ultramarine. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. L'espace marine. Et du coup, tout ça, en fait, c'est... Enfin, c'est premier degré. The Rubicon surgery has remade you as a Primaris Marine. You are now stronger, faster, and more resilient. You will take your place as an Ultramarine once more. Your brothers will know that you served in the Death Watch. But your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be... questions. Lord Khalgar has offered you a second chance. Do not taint it. Bien, petit Cupidon. Faut le tuer. Putain, mais c'est vrai, je cours plus vite. Oh, un petit Eric volant. Oh, il a les yeux bleus, c'est saisi.
incroyable. Tiens, le livre d'or du Airbnb. L'annuaire. Incroyable. Brother. Brother. Je peux pas passer ça. Udonis, we have work to do. Gather the rest of the squad on the flight deck. Yes, brother. Ouais. Ils ont pas l'air super heureux. Hein. Dommage. Salut. Je voulais pas zoomer comme ça, je suis désolé. Ah, technoprêtre. Il déchire. Vraiment, la DA est à des kilomètres du premier. Se rassembler. Je me rassemble. Et j'étais en morceaux. Putain, c'est fou. Salut, c'est mieux, Xine. Putain, mais ma combi est déjà baisée au niveau des coudes. Elle est d'occasion. Mais elle est déjà baisée. Mais ma combi est d'occasion. Putain. Merde, ça déchire. Déjà dans le jeu Rogue Trader, c'était cool à voir tout ça, mais là... Ça déchire vraiment de voir tout ça quand même. Putain, c'est des kippies. Have Sergeant Gadriel report to the bridge. How are your winds? Winds. Good enough. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions, suspicions. I cannot afford discord among the men. Not now. Now? You're a lieutenant now. Will that be a problem? No, Captain. Very well. We're facing a Tyranid splinter fleet. Sans déconner. They engaged us on two planets. Avarax, a hive world, and Kadaku, which you already know. Ça c'est vrai, on y était. On était là. Abandoning the latter. Grâce à nous, cette planète est toxique. Adeptus Mechanicus research facilities. We're evacuating critical assets and personnel. These defense guns are keeping the skies clear for our ships. The Tyranids have taken note. Get down there and protect those guns. Those guns. Captain, little big guns. You wish to see me? Sergeant, this is Lieutenant Titus. He'll be taking over command of your squad. Là, là, les cicatrices qu'il a là. I expect you on the là. Ground within 30 minutes. Dismissed. Lieutenant, forgive my hesitation. I am merely surprised by this development. As am I. Sergeant Gadriel, the Absorber is ready to depart. Brother Chiron, this is Lieutenant Titus. Moi, je veux regarder les jolies. You will be leading our squad. Oui, is that so? Well, I shall be glad to have a commander of such experience. Yes. Je peux regarder les jolies lumières. Is the rest of the squad ready? Already ouais. Assembled on the flight deck. Good. Mais... We leave immediately. Oh, c'est beau. Ah, on peut faire des parties en ligne si on veut. Incroyable. Oh, il déchire, mais... Putain. Trop bien. Il lui donne une petite interview. Oui, ben voilà, effectivement,
être un ultramarine, ben, comment vous dire, un space marine, pardon, c'est pas si facile que ça. Les lumières rouges, au début c'est rigolo, mais ça commence à faire un peu mal aux yeux. Non, c'est vraiment un taf plutôt correct, on peut le dire, oui. Transmitting telemetry data to our ground forces. The Imperial Navy fleet are firing on the spores. Je suis désolé, mais je trouve ça trop fou que c'est... Regardez ce qu'on voit, quoi. Genre... Merde. C'est cool. Alors, vous voulez savoir ce qu'il y a derrière, mais on va regarder. Déjà, il y a des chérubes. Log requests in priority order. We will respond when able. Yes, Lord. Colonel Drury, your requests are noted. For the Emperor, we bring death. The Emperor protects. Ça, c'est leur space bouteille de vin. Incroyable. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est des parties en ligne, c'est ça? Carte de bataille. Voilà, fait office de centre de commandement, sélectionnez une planète pour débuter une mission. La mission actuelle est signalée avec un marqueur de directrice jaune. En utilisant le mode de jeu, vous pouvez passer en mode opération, guerre éternelle. En jouant ce mode avant de finir la campagne principale, vous risquez de vous divulgâcher l'histoire, donc on ne le fera pas. Mais ok, d'accord. Et du coup, on peut faire des opérations et des opérations. C'est un mode de jeu en JCE focalisé sur les missions auxiliaires des escouades de combattants Thalassa. Oh, les missions. Et Viridien, en jouant ce mode avant de finir la campagne, vous essayez de vous gâcher. D'accord. Donc là, vous avez tous les trucs coop. Et donc là, les trucs JCJ, joueur contre joueur. Ok. Et nous, on est là, on va à Kadaku. Ciel de feu. Ah non, bah non, on va faire... Non, on est en train de faire une mission, je vais pas faire ça. On va faire ça. Ouais. Je pense que c'est la même chose. Y modifie les squads. Mais on est nous, quoi. Donc là, on peut faire A3, et après, il y a un autre truc en JCE, et un autre truc en JCJ. Pourquoi on a une chaîne avec un truc pour fermer les portes, peut-être? What is our assignment? Oh. Acadians have lost control of the orbital guns. We are to recapture them. Lost them already? The Tyranids are hurling spores at those guns in great waves. I'm impressed the Acadians held out this long. C'est vraiment très très joli, ça fourmille de détails, c'est extrêmement cool à regarder. Je sais pas si ça rend aussi bien sur le live. Attends, mais Jean-Mi, t'es pieds nus? Jean-Mi, t'es pieds nus, t'imagines si mes pieds te marchent dessus là? Imagine la douleur de mille mondes que tu vas ressentir. Ah, t'es sale toi. Ah, il est... Lui, il est pas beau, hein. Ok. What do you think you're doing? Deployment. Path obstructed. Stand aside. Those warheads are not properly secured. Do you know what will happen if one comes loose? Path obstructed. Ah, il parle entre en binaire, quand même. Vraiment trop bien. C'est quoi ça? Ça va être la même chose qu'en haut, je suppose. Ouais. Sergeant? Brothers, we are joined by Lieutenant Titus. Welcome, brother. We are yours to command. We leave immediately. Yes, Lieutenant. On monte. Le hub est assez cool, ouais. Désolé, ça ne compte pas comme un hélicoptère, les gens. Mais je suis d'accord avec vous que ça ressemble un peu. Trop bien. Il n'y avait pas déjà ça dans la première version.
un ornicoptère, ça compte. Si on voit un truc avec... qui ressemble un peu à un hélicoptère, d'accord. Ça fait penser à XCOM, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont beaux gosses, hein, quand même, pour des... pour des ultramarines. Pourquoi vous avez les chaînes de l'Inquisition ? Sir, you served in the Death Watch. Yep. Yes. That must have been a great honor. It's a privilege to serve with you. Approaching drop zone. Let's go. You see those service studs? Our lieutenant is over 200 years old. He couldn't have been born a Primaris. You're right. And now he has your command. Ça fait un petit moment qu'il est là quand même. Il faut avoir une grosse armure à prendre soin de sa peau, j'avoue. Marsins sont les plus beaux gosses des marsins. D'accord. J'ai même ça. Oh, on a une petite boîte avec Major des os. Major Sorkana, 8th Cadian Regiment. Major, give me an update. The wretched beasts have taken the orbital guns. They pushed us back to this encampment and are staging a heavy assault. Lirio, take Altarius and Elion and remain here to secure the encampment. Yes, brother. Brother. Major. We must reach the defense guns. Yes, my lord. Follow me. Follow me. Okay. Putain, c'est fou. The situation here has deteriorated. Vous avez des sacrés problèmes de pigeons, ma petite dame. Et mais là, il va falloir mettre des pics un peu partout, hein, parce que sinon, on va avoir des crottes de pigeons partout. Hein. These unrelenting attacks make a counter-offensive difficult. We shall take care of that. Il va falloir revoir vos tentes. Je ne peux pas passer dedans et me tenir debout. Faites le plus haut. Arrêtez de jouer à risque. On a des missions à faire. Arrêtez de jouer avec les lasers. Les pointeurs lasers ne sont pas faits pour ça. Move to reinforce the eastern flank. You, go with him. We will assist in the defense. Very good, my lord. On arrive. Ah, il y a des sacrés pigeons quand même. Mode fureur avec Q. Votre durabilité de votre recrue et corps à corps rentre dans la santé. D'accord, trop bien. Trompé de touche. Deux fois. Oh, allez, vas-y, vas-y. Super Ultramarine! My lord! Intelligence reports multiple swarms closing in! Direct us to them! Sending coordinates to your Auspex display! C'est pour tester, là. My lord! We are preparing an airstrike! Can you hold the enemy in place until it hits? Consider it done. Eyes in the ready. Tina. Munitions secure. Ça a l'air tranquille leur mission en fait. Merde, je suis tombé de touche encore. Putain, mon coup de clat est trop bien. Gotcha.
C'est moi qui l'ai fini, hein, je tiens à dire quand même. Attendez, je veux juste récupérer un peu les grenades. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, il y a quelques petits monstres qui arrivent, quoi. Si on est obligé de se retourner à chaque fois qu'il y a les monstres, on n'a pas fini les kobolds. Les kobolds, je sais pas comment dire les kobolds. On n'a pas fini les kobolds. J'ai ramassé, mais je l'ai ramassé. Les finish moves rendent des boucliers, ouais. Through the jungle to reach the orbital defense guns. Brother Lirio, assist the Cadians while they establish new defensive lines. Bon, on s'en est plutôt bien sorti, hein. Pour l'instant. Tactics. What? The orbital guns are on the other side of the swamp. Be alert. The Tyranids will be lying in wait. Oh, épée tronçonneuse. Ah oui, on peut choisir ce qu'on veut. Oh, ouais, moi je veux ça, Voltaire lourd. A fine gift from the fort. This must be where the swarm originated. These abhorrent husks are everywhere. Living organic machines. Indeed. Their ships, these pods, all of it. Their very existence is heresy. We shall thin their numbers today, brother. Tried to reach the downed storm, Talon. Bog stunk beyond words. Several of us drowned in its stagnant pools. Scope of the Tyranid infestation still unknown. Last reading suggested Kadaku was near the threshold for exterminatus. If that be the case, I would not weep for this world. It has already claimed too much. Okay. Je voulais tester ce jeu, il est bien. Bah Turok, je le conseille vraiment parce que pour l'instant je passe un très bon moment. Et du coup je rappelle qu'il est en promo sur GameSpot avec le code GLOBTOPUS. À moins 15%. Le Voltaire lourd est tellement cool. Tellement plaisant. Le bruit. Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait, mais c'est vraiment un pur plaisir. Reloading!
L'IA des boys a l'air plutôt sympa. Expect better of the Cadians. Losing the orbital guns was costly, and they paid for it dearly. But the enemy numbers are not insignificant. The Cadian 8th will have to do better. You're familiar with this whole thing? Pas de les juger, c'est trop drôle. I am. How do the Tyranids compare to other Xenos? They are an unrelenting plague. Attends, pourquoi il est goldé? The controlling influence of their hive mind makes them act as one. C'est un plus 1, il est mieux que le mien. D'accord. Attendez, j'ai pas regardé, il y a une... Ah oui, d'accord, on voit carrément les combos et tout. Ok. Il s'appelait Gabriel, mais il s'appelle Gadriel. Tread carefully. The spores detonate when threats draw near. Then let us take the advantage and destroy them. Je sais pas comment ils ont tiré. Comme des oufs. Pas le meilleur, le truc lourd à distance, c'est pas la joie. Le jeu est très beau et très cool pour l'instant. Grenade. Attends, mais plus 1. Attends, je comprends pas en fait. Il est mieux ou pas mon. Je sais pas, peut-être que c'est un truc que j'ai déjà et c'est tout. Aller par où? Là où il y a des bruits, je pense. Wargame Pride. C'est vrai, les ultramarines font les Wargame Pride. Je pense qu'effectivement le jeu doit être vraiment mieux à plusieurs parce qu'il y a un petit peu le côté Gears of War quand même de ce que je vois. Déjà là, je trouve ça se ressent. The most direct route is through the swamp. Let us proceed. No. The swamp will be infested with Xenos. There is a bunker straddling the riverbed. We will cut through there. That will add considerable time. Surely we. We will not trade strategy for expediency. As you command. Lieutenant, Captain Akaran has given us new orders. You must proceed alone. Oh.
Understood. Thank you, Lirio. See you on the Resilient. Je sais pas ce que c'est le F, c'est pour me soigner, je suppose. J'ai pas encore utilisé. Efficace. Ah oui, j'ai pas beaucoup de balles par contre. On va faire gaffe. Par contre, les grenades frag sont vraiment ultra agréables. Et ça me fait penser à, pour le coup, vraiment à Gears. D'ailleurs, si vous voulez du Warhammer pas très cher, il y a Bolt Gun qui est sorti l'année dernière. Je crois qu'il y a eu une extension depuis. C'est vraiment excellent. Bolt Gun Bolt... Oui, ça s'appelle Bolt Gun, je crois. Du coup, plutôt console pour toi? Ah non, bah non, vous êtes malade ou quoi? Non, full PC, jouez full PC les gens. Moi, je suis sur PC et je le recommande sur PC. La promo que je vous ai dit, elle est sur PC. Non. C'est un jeu à jouer sur PC. Resupply. Évidemment. Et moi je joue clavier souris. Hein. Sans moi là mes potes. Hein. Reload. Restocking. Attends, vous êtes téléporté les mecs? Comment vous avez fait? Comment vous êtes allé là-bas? Ah, comme ça, ok, d'accord. Resupply. Ah, ils ont l'air perdus. Oh, ils ont l'air perdus, les petits choux, attends. Alors, on n'est pas le reinforcement, ça là. On est le forcement. C'est tout. Sont des sorciers tulés. J'avoue, c'était très louche. Ah mince, c'est pas de renforcement, c'est du ultramarine. On est mort. Special tactics ready. Ah d'accord, donc c'est bien un truc pour se soigner. You will desert your post, guardsman. No, Lord. Never. We've locked them in. We could do no more. Open the gate. Yes, my lord. Open the gates! Sir, you said open the bloody gates! Ouais. Ah, Bolter lourd, je peux pas le garder, quoi. Another wave. We can't hold them. Serve your Emperor, soldier! Woo! It's a position, men! Not let them surround you! What are they doing? Trying to get up here! Let them touch it! Nothing coming!
soldiers! Fight, damn you! Where is that Canadian spirit I have heard tell of? Oh putain, à voir, c'est tellement incroyable. J'ai fait de la merde. J'oublie pas que je suis en live, mais c'est juste que je dois me concentrer pour pas crever parce que le jeu est pas si facile. Mais les combats sont vraiment cool. J'oublie pas du tout que je suis en live. Je sais que je suis en live. Personne des live numéro 7. Je vois qu'il y a personne des live numéro 19 ainsi que personne des live numéro 13. Et ça me fait vraiment plaisir. Tu juges la difficulté comment? Correct. Comme j'ai dit, il y a un mode facile, donc si vous voulez juste l'histoire. Voilà. Mais pour moi, là, on est sur la bonne difficulté. J'ai vraiment pas l'impression que c'est facile, mais j'ai pas l'impression que ce soit hyper punitif, quoi. Et il y a des modes de difficulté supérieurs si vous le souhaitez. Les gens, faut que j'aille aux toilettes. Je vous dis à tout de suite. J'arrive. Allez vider votre combinaison de pisse.
J'ai vu un terrible Xenos. Elle s'appelait Moon. J'ai eu très très peur. C'est bon. Vous pouvez remettre votre combi. Looks like a slaughter. No excuse for cowardice. On peut mettre le lance. Ah non, c'est pas un lance, merde. J'ai plus que 60 boules, hein. Je peux pas avoir bolter lourd. Fusil bolter. Ouais, c'est un pistolet bolter lourd. Y'a pas de munitions là. Hop, pardon. Voilà. Ils prennent beaucoup de place, hein, ces soldats. Hein. Il n'y a pas de truc à munitions. Non, c'est tout. Encore une fois, hein, les environnements et tout, c'est cool, quoi. Ben, maintenant j'ai envie qu'il y ait des Gene Stealer et des des orques et le chaos. C'est vrai que c'est bientôt l'automne. Merci Zintaro. Xenos monstrosities flanked us. That's when the deserters took off. May the Emperor deliver swift retribution to those that abandon their kin. We formed up and resisted as best we could. Pulled back by inches. Les gens, je sais pas si vous vous rendez compte que dans les jeux vidéo, ils ont inventé les messages audio et tout, mais moi, même avec mes... J'ai beaucoup aimé comment ils se sont arrêtés en me voyant. Avec mes clients, c'est un peu pareil. J'ai l'impression de devoir écouter des messages vocaux et tout. Est-ce que, en fait, ma vie... A fine gift from the forge. Ça, je le prends en plus. Il me reste 47 balles. J'ai ce côté-là avec mes clients où je dois écouter des journaux vocaux et tout. Ils sont un peu moins... Il y a un peu moins de l'or. Je vais être franc avec vous, il y a un peu moins de l'or. Alors, Clover, je pense que t'es d'accord que tes messages vocaux, il n'y a pas forcément du l'or de ouf. Ça manque de l'or. Attendez, j'ai pas pris mon arme. Ah si. Ben, je n'ai pas compris, c'était des lance-roquettes, ça. Ouais, si, ouais. Si, si. Faut faire de la thune, Boxy. C'est un peu ça, les messages que je reçois, et c'est en mode, Waiting orders to attack. Major, do you read? This is Lieutenant Titus. Identify yourself. Captain Iden, sir. Our long-range comms were damaged in battle. They must be close. Hold fast, Captain. We are coming. T'as vu, il n'est pas un jeu, Maxime, il n'y a pas de jeu, voyons. Oh, ça y est, c'est bon, c'est ce que je voulais. They will not get past this. Ça, c'est sûr. Couteau de combat. Franchement, je comprends pas comment tu peux prendre le couteau de combat alors que t'as l'épée tronçonneuse à côté. Genre, qui dans le chat prendrait le couteau de combat? C'est une vraie question. Dommage.
another one dead. Another one. Ah, référence à DJ Khaled et tout, quand même. Hein. C'est ouf. DJ Khaled qui fait partie de l'univers de Warhammer 40 000, du coup. Personne ne savait, mais... On peut pas prendre ça comme truc de combat, non? Bon. Pendant que j'appuie sur les bons au bon moment. Oh là là! Quel plaisir incroyable! Oh! J'ai trouvé le grand grenade! Pas une seule touche. Ah, ça y est. Ok, d'accord. On peut activer... Non. Je sais pas, j'explore, j'ai envie de... Resupply. Alien, ça serait quand même vachement plus simple dans cet univers-là. Moi, je dis qu'il faut faire un film Alien où c'est juste le xénomorphe qui arrive et qui arrive sur un vaisseau de Space Marine. Et le film, c'est l'inverse, en fait. C'était, tu vois l'Alien qui est en mode Kai-Kai, qui essaye de se planquer et tout, qui est en mode « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ah! Tout le temps. En vrai, il y a différentes combinaisons d'armes qui reprennent les unités 40k, dont le couteau de combat qui fait moins de dégâts mais plus rapide. Ouais, pour les faibles, quoi. J'aime bien le fait qu'il tient... comme ça. Allons-y, mes amis. Enfin, vous n'êtes pas mes amis. Non, mais on n'a pas d'amis. Des Space Marine, tout ça. On se fait des massages, mais c'est pas... Sarkana. Receiving. We have made contact with Captain Iden. Iden? I thought him lost. We are approaching his position now. Can you patch me through? Working on it. Pas sûr du pistolet à plasma là. On en pense quoi? Pas fan. Let us get to work. Mais c'est cool qu'il propose. Et les prédateurs dans 40k. Dans 40k les prédateurs ça sera super intéressant pour le coup. Un vrai combat quand Space Marine contre Predator, ça serait vraiment fun. Les gros ennemis blindés, ouais, certainement, mais moi, vous savez, plus j'ai la même arme tout le long du jeu, mieux je me porte. Munition secured. Ouais, non, le lance-roquette était pas mal en fait. Enfin, c'est un lance-grenade, mais. Le Predator se fait défoncer en 2 secondes contre un Space Marine. Ça dépend, sans armure. Oh pardon.
Not today, sir. You're tougher than Grokshide. I'll take that as a compliment. Aiden, we need to take back those orbital guns. I've got armor ready to roll. See it done, Captain. Yes, sir. Let's give him a taste of Cadian wrath. Wouh, y'a... Oh, trop bien. Le petit char, il est trop chou. Guardsman, honor your emperor. Les pigeons attaquent. That cursed gate is in our way. Then let us remove it. Control. Vraiment cool. Make use of them. Il y a des cadeaux ici. Grabbing equipment. Changing magazine. The white flag grenade. Les combats sont vraiment, vraiment fun quand même. Passe un très bon moment en tout cas. Restocking. Par contre, c'est vrai que c'est pas du tout un Gobérant. Je veux dire, soyons honnêtes. Il y a plusieurs planètes qui rock. Squad, move your reckoning backsides through that gate now! Move to link up with the Cadians. As you command, Lieutenant. Je pensais que ça serait tout seul. Si, si, pour le tyrannide. Oui, c'est vrai. Viens, les petits kangourous, ils sont trop choux. Petit kangourou, tu exploses. En pleurant du sang. Je me suis trompé de touche. I'm back, bitches! Redecorating will speed things up, my lord. This is Lash who steals the money. Ah oui, on va tirer avec... Oh putain. Ça te revanche sur les petits gris. Alors comme ça, on est des extraterrestres. On essaie de me faire peur.
Qu'est-ce qu'il dit, l'électrocytresse? Il dit rien parce qu'il est mort. What is that? Soundproof. Take it down. While it lives, the other creatures are harder to kill. Il est où? Gare au pouvoir psy, mais non, j'ai pas de cerveau. C'est ça mon astuce. Bon bah voilà, on a fini notre mission, en fait c'était plutôt simple. Comme quoi des fois il faut juste un petit peu croire en l'empereur en fait. So big you can fly a frigate through it. It won't let that happen without a fight. It? The hive mind. The Tyranid's powerful collective intelligence. Not to be underestimated. Major! The guns are in a zero state of charge. It will take time to wake the machine spirit. Hurry! The Tyranids will throw everything they have at this facility. This is Major Sorkana. Divert 2nd and 3rd platoon to the orbital guns immediately. Copy that, sir. Let's show these bastards what the 8th are made of! Yeah! Ouais, enfin, vous êtes un peu nul quand même jusqu'à maintenant. Ça ne compte toujours pas comme un hélicoptère, genre. Il faut qu'il y ait une hélice qui tourne. Mais désolé, c'est des pélicans, c'est ce que vous voulez, mais... Regardez le petit casque, il est tout petit. 15 minutes plus tard. Ah ouais. Ah oh putain, mais ça dé... Oh, ça déchire tellement. Genre, sans déconner. C'est trop cool. Major, we need to establish a perimeter. My troops are in defensive positions. They'll hold. The enemy will try to scale these walls. Do not let them. I have no plans to. J'ai cru qu'ils étaient assis. Ça, c'est fou qu'il fasse des références à Epic Rabaton, mais... Quel plaisir. Reload.
comme par hasard, comme par hasard. Let us make haste. À chaque fois. Je commence à avoir des doutes sur votre capacité à gérer un système de visée. On a mis le système de visée à 200 km de l'endroit où il tient. Pour un aspect pratique, bien sûr. Restocking. Bah après, c'est le début du jeu, c'est l'ennemi principal du début du jeu, Noden. Donc je pense que voilà, ça ne fait que 1h42, après tout. Je sais pas c'est quoi les grenades crack, mais ça a l'air cool. Je me suis soigné sans le voir. Assist where possible, but do not linger. The targeting system is our priority. Yes, my lord. Ok, je suis cool. J'aime bien le fait que ils prennent en compte que tu tues le leader, etc. Enfin, c'est cool. Ouais, alors vous dites ça, mais je sais comment ça se passe. Ah, un message vocal d'un client. Putain, mais j'en ai mis combien, mon de bâtards? Ça me trompait de tout. Mais les autres ils sont là ou comment ça se passe, je suis tout seul? Ah oui, c'est pas l'arme la plus puissante en fait, précise du monde. Mais genre, vous faites des trucs? My lord, genre, we cannot use the guns until we raise those petals. Les mecs sont là pour m'aider, soi-disant. Vous m'avez pas aidé une seule fois, les mecs. Insupportable. Ça va, ça se charge.
One left. Astuce. Protégez-moi pendant que je le fais. Parce que je l'appuie sur un bouton, triste. L'IA allié ça va, mais là sur cette mission là c'était bizarre de pas me protéger. Munition secured. Est-ce que tirer ça protège? The enemy have damaged the antenna. Ouais, mais on essaye de tirer dessus, mais c'est dur. Pensez pas à ça quand vous construisez vos tours. Genre vraiment, pensez à ça hein, quand vous construisez votre antenne. Au fait qu'il y a quand même des créatures qui peuvent tuer, enfin littéralement attaquer comme ça dans les airs, vous le savez quoi. C'est pas la première fois que ça arrive, non? Ah oui, mais je vois pas où est-ce qu'ils sont tes ennemis. Putain, mais dis pas qu'il y en a un qui est caché derrière. Bah non. Ah putain, il y en a une autre, d'accord. C'est en mode la meuf est malade. Seulement j'avais des camarades avec moi qui étaient capables de faire autre chose que se branler la couille. Je pense que cette antenne serait déjà défendue depuis bien longtemps, mais là... J'ai comme l'impression d'être tout seul. Ah. Joli pire. Putain mais... Pour le Saint-Empereur, s'il vous plaît, arrêtez de vous branler la nouille. Il reste une putain de truc.
Et où l'autre? C'est fini, hein. Je pense que là, on peut abandonner. Merde, fumeur. Bah oui, je sais. Mais... honnêtement... alors, je précise que par rapport au bug, je vous rappelle que le jeu n'est pas dans sa version finale. Attendez, je vais changer d'arme, je pense, aussi. Ah non. Je vais plus les attendre maintenant, c'est fini. More gargoyles headed for the antenna. Ah, en fait, il faut la damage lui-même, c'est beaucoup plus simple. Il faut la damage lui-même. Clairement. Regardez-moi ça. Ah mais il suffirait qu'il y en ait un des mecs qui tire dessus, ce serait fini. Un sub. Vraiment un sub. Mais juste tirer une fois dessus. Putain. Ça me tue? The Emperor is with
Mais vous me soignez pas ? En vrai, c'est vraiment fait pour le multi là, ça se voit. Bah en solo, le problème, c'est que tu peux pas... T'es pas soutenu par tes potes, quoi. Allez, tire-y dans le cousin. Ça, c'est cool, quand même. Scrooge. Putain, la pluie de sang, après, je te dis pas. Très sympa en tout cas. Hein. Une grosse tique en fait, ouais, c'est ça. J'adore parce que les trous ils disent rien, ils sont en mode. Tout le monde est mort. Donc je le rappelle encore, le jeu est dispo sur Games Planet. Avec le code GLOBTOPUS, vous avez moins 15%. Et en plus de ça, vous l'avez une heure avant la sortie. C'est quand même bien pratique. J'avoue que c'est pas la grosse ambiance dans leur petit vaisseau là. Ils sont en mode bon, bah super, voilà quoi. On a fini la mission, coucou. Lieutenant, Captain Acheron has new orders for you. Very well. Where is Elliot? Où est-ce qu'il y a derrière? The enemy tried to smother us. We got separated. By the time we had slain the attackers, Elliot was dead. Derrière. Something put a hole clean through his helmet. I should have been with you. Oui, derrière. I only wish he had lived to see that hive ship burn. Allez. I fought beside Elian for 2 decades. Fou, he could not have been defeated by Hormigons. Oh. There are creatures more deadly than Hormigons down there. You should not have let our squad be divided. He is gone, Sergeant. Duty is over. Good. I do not forget my brother so quickly. Oh là là, ça déchire. Putain, Luke Skywalker part en mission et tout là. Vraiment très cool. I was informed you arrived with Lord Kalgar. Did you fight with him on Vigilus? I've read through those battle reports more than 100 times. A masterful defense. My duty kept me busy elsewhere. You have an unusual service record. That is my good fortune. I want to scout me corner that position. Captain, get over here. Captain, I have the Mechanicus on Vox. They can wait. This is Nozick Beta 12. Mechanicus Archmagos. He should have been aboard this ship an hour ago, but he refuses to leave Kodaku without some data from his lab. He's currently in this Imperial Guard base. His facility is here. The enemy is closing in. That base will be overrun imminently. Nozick is a high-value asset. Get that data and get him out. The mining facility. If we rupture the staging tanks, direct the flow into the valley. We can ignite the fields around the base. Boil them in promethium. Quelle bonne idée. I'll give you command of a small team to hit the staging tanks. 3 men. That's all I can spare. Brief them immediately. Yes, Captain. Le ministère de la Défense. Tu parles de l'Imperium. L'Imperium existe pour qu'il y ait un ministère de la Défense. T'as pris le truc à l'envers. We are Astartes. Titus Delirio. Make ready to depart. Standing by.
Bon, Gadriel, tu vas devenir un chaos, toi. On te sent venir. Hein. T'as un sac à merde qui pose des questions. Ça, j'aime pas ça, moi. Well, well. Lieutenant Titus. Ah, ils sont trop cool. We are told you have need of us, brother. My squad must recover data from a Mechanicus research facility in Sector 41A. Oh, sont cool. A large enemy swarm threatens to overrun both that facility and an Imperial Guard base to its east. You will sabotage a Promethean refinery to delay their advance. We will not fail you, Lieutenant. Let us burn the Xenos filth. Time is short. I will brief you on the sense. Shutter Switch, pas du tout d'accord. Je trouve que tout niveau son est incroyable. Les armes, toutes les armes ont des sons différents mais hyper impactants. Et là, les sons, ils sont juste agréables quand ils marchent. C'est pas relou. On va peut-être s'être amélioré par un truc, non? Je sais pas. You requested my presence. How are you acclimating to your new status? I have no complaints. Intriguing. Predictions would determine a 0.9 probability that you would. I have pressing duties, Magos. Very well. Engage the armory terminal. I will see that you are suitably equipped for your mission. Trop bien! Tout en rose! Indicate your desired war gear. Mais genre... And the armoring station ouais, will handle pas. The outfitting procedure. Though much has changed since we last met, all this will remain familiar to you. The Omnisire blessed us with clear sightedness from the beginning. We offer blessings to this machine, that it may serve you just as it serves him. Oh, il y a d'autres trucs. Putain, le marteau Thunder et l'épée énergétique, trop bien. Ok. Oh putain. Oh, il y en a de l'arme. Hein. Fusil-fusaire, le fusil-fusaire. Ça, c'est cool. Oh putain. Moi, je veux ça, là. Ouais, fusil-bolter, c'est bien, hein. Non, mais fusil bolter, c'est bien. Et du coup, c'est quoi ça? Apparence. On peut vraiment changer l'apparence? Non. Ouais, on peut débloquer des trucs avec les éditions. À la sortie, il y aura des trucs. C'est juste que là, pour l'instant, il n'y a pas. War gear selection seems incomplete. This armory is comprehensive. But available options are those recommended for the current mission. Very well. My thanks, Magos. Galio will suffice. Putain, mais encore une fois quoi, la DA. Pff. J'ai l'impression d'être dans un artwork en fait. Lui, il est incroyable. Hein. Il est trop dark. Ah, le petit squelette là au milieu. Enfin, franchement, il est chiant. Prochaine opération nécessite les efforts de deux escouades réunies. Une escouade de combat de Space Marine fera diversion pour aider Titus découvrir leur destin en lançant la mission Inferno dans le mode de jeu opération, vous voyez. Et ça, je trouve ça trop cool. Et dans ce mode-là, je crois que tu peux personnaliser ton armure, mais je ne suis pas sûr. Ça, c'est cool quand même. Ça me fait penser à Half-Life sur PlayStation 2 qui avait un mode co-op où tu vivais des aventures parallèles à celle de Gordon Freeman. Bon, je vais lancer, mais je pense qu'on va s'arrêter là, les gens. On a vu pas mal du jeu, je pense pas qu'on va... On regardera peut-être plus tard, peut-être que je referai un live dessus pour vous montrer le mode coop un de ces jours. Ça pourrait être fun. All
Watchmakers, for the last time, we must get you off world. Il est trop bien. Assessment equals inordinate ignorance. We'll be overrun in minutes. By the Omnitimer, cease interruptions. Major. Akran finally sends me what I asked for. Archmagos, it is imperative you evacuate immediately. Detroit will not leave without the data. Relocate to my facility. I will instruct Servavox. Make ready to leave. This will not take long. Major, I have a second unit working on a theoretical that should buy you some time. My lord! I've lost three squads trying to reach that Three squads. We think something's out there. No, bah, si vous tente, vous savez où l'acheter. Games Planet. Code Globetopus. Pour avoir moins 15%. Bah moi franchement c'est un... C'est vraiment, j'ai l'impression de retrouver un Gears of War. Mais saveur... saveur Warhammer quoi. Et ça fait toute la différence. Vraiment très satisfait. Bah écoutez, ouais, non, vraiment très cool. Je pense que le jeu gagne à être en multi. Alors, je me demande si depuis le menu, on peut voir le co-op pour voir si on peut faire personnaliser une armure ou pas. On va voir ça. Je sais pas si on peut voir ça depuis le menu. Et je sais pas si on peut personnaliser vraiment l'armure. Je pense que tu peux, mais pas au point de jouer à Warhammer 40k dans la vraie vie. Après, je rappelle encore une fois qu'on est sur une version qui n'est pas la version finale, pas la version que vous aurez, puisqu'il y aura un patch Day One, hein, comme dans tous les jeux. Je crois que le jeu a planté. Ouais. Bah écoutez, c'est pas très grave. Hein. Il a planté quand je quittais, donc bon. Écoutez, j'ai envie de dire... L'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Elden Ring me fait ça, des fois. Bon, bah, pour résumer, c'est un banger. Je le recommande. Je pense que c'est un très bon accès à Warhammer 40K. Je pense que, clairement, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir, même si vous ne connaissez pas forcément Warhammer 40K. Alors, attendez, parce que là, le jeu... C'est bien fermé, c'est bon. Je vous le recommande. Il est sur Games Planet. Il est en promo avec le code Globetopus. J'ai marqué prod au lieu de GP. Je le recommande sincèrement. Moi, j'avais bien aimé le premier, mais comme j'ai dit, le premier, pour moi, c'était un 11 sur 20, 12 sur 20, vous voyez ce que je veux dire? Le jeu où tu dis, oui, c'était sympa, bon, voilà, quoi. Mais par contre, là, on est sur un jeu qui, pour moi, passe le 15 sur 20. Après, il faut voir ce que donne le scénario, il faut voir ce que donne le multi, mais c'est déjà pas mal. Je trouve. Et en plus, si vous aimez Warhammer et tout, ça peut vite gagner des points en plus. Moi, je sais que les environnements et tout, ça marche vachement beaucoup sur moi, en tout cas. Et la DA, je trouve, elle est vraiment belle. Hein. Donc, ça fait plaisir. C'est le deuxième très bon jeu Warhammer en très peu de temps, finalement, parce que Bolt Gun, c'était l'année dernière. Mais c'était très cool, hein, Bolt Gun, qui est aussi sur Games Planet, je le rappelle. Donc ouais, je suis très très content d'avoir pu y jouer avec vous. Et décidément, en ce moment, il y a plein de bons jeux qui sortent. Donc, profitez-en. Je le dis, hein, sur Games Planet, il y a aussi, si vous voulez y jouer, Star Wars Outlaws. Bon, je ne sais pas ce qu'il vaut. Il y a Squirrel with a Gun, et ça, on va le faire en live un de ces jours. Il y a Age of Mythology Retold. Alors ça, je ne sais pas trop quoi en penser. Apparemment, il y a des images d'IA, machin. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais bref, plein de belles choses. Très très cool. Les gens, on se retrouve vendredi soir pour Cthulhu no Kami. Ne manquez pas cette campagne. Venez la soutenir. C'est une grosse campagne quand même. C'est pas souvent qu'on peut se permettre ça. Donc, n'hésitez pas à soutenir ce genre de campagne en venant au live montrer
aux éditeurs, montrez aussi à nous que vous voulez des campagnes de jeux de rôle en live, parce que sinon, au bout d'un moment, on arrêtera d'en faire. La dernière fois, vous avez été au rendez-vous pour DCC, donc je compte sur vous aussi pour tous nos camis et d'être au rendez-vous chaque semaine, sachant que vous aurez de quoi rattraper aussi l'épisode 1 sans problème. Je bosse vendredi. Et alors, tu regardes en live, c'est pas très grave. donc ouais, rendez-vous vendredi 21h. La rediff de ce live là sera disponible de toute façon dès le 10 et vous aurez le prochain live, ça sera le 20. Donc vous aurez 2 semaines pour le rattraper si jamais vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle aussi que sur le Tipeee, il y a déjà la saison Seigneur des Anneaux qui est disponible, qui a une sacrée bonne gueule. Je peux vous montrer déjà la vignette. Si vous ne l'avez pas encore vu, hop, la vignette des Terres d'Aldor, donc qui est notre saison Seigneur des Anneaux. Voilà, les Terres d'Aldor, Ile-de-Verre, cette saison est déjà entièrement disponible sur le Tipeee. Et vous pouvez trouver ça sans problème en entier. Et en plus de ça, si vous typez, je rappelle que vous pouvez avoir en plus la prochaine saison, qui est une saison SF. Voilà. La vibe de Mascox sur cette mini, c'est dans mon cœur direct. Écoute, je pense que cette image ne ment pas sur ce qu'on propose sur l'épisode 1. Il y a des montagnes enneigées, elles sont littéralement là. Il y a Mascox, un peu mélancolique. Il y a les Terres d'Aldor et il y a Ile-de-Verre. Il y a tout. Je rappelle qu'en plus, Ile-de-Verre est vraiment le deuxième prénom de Mascox. Et ça, c'est rigolo. Et je vous rappelle aussi qu'il y a ce mois-ci le live privé sur la saison zombie. Et je crois que toute l'équipe est disponible. Donc vous aurez tous les joueurs et joueuses qui sont là dans cette saison. Ça vaut le coup. Sur ce, bisous, bisous, bisous partout. À vendredi. Merci Games Planet de m'avoir permis de jouer à Space Marines 2 en avant-première. C'était très très cool. Et on se dit à bientôt. À plus YouTube. N'oubliez pas Games Planet, le code GLOBTOPUS si vous voulez le jeu en promo. C'est encore valide jusqu'à la fin du mois, donc vous avez le temps. À plus YouTube.